Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Qui dans Telegram Actualité, vous l'aurez compris, c'est une succession d'opérations. La police mène dans plusieurs quartiers, il y a des gens qui sont arrêtés et il y a une opération qui fait dans Torcel et dans Pernier. Hier, il y a des gens qui ont lancé des SOS par rapport à gros coups d'armes qui ont tiré. Si il y a des gens qui Pernier capitaine nous envie partager des détails avec nous, nous sommes preneurs. Et puis Robinson n'a pas parlé tout dans Telegram dans de politique, comment il est ça, voix discordante, comment qui François t'a mis sous belle baille. Non, bien dit, voix discordante. Hein? Ou bien dit, voix discordante. Belle François, pas belle baille, non, sous belle François t'a mis tout ça. Et vous bien dit, voix discordante. Ah, voix discordante. Bon, oui. En tout cas, nous voix discordante. Voix discordante, discordante, je vais parler là, c'est concernant et rencontre et Premier ministre Ariel Henry a fait avec Magali et Komodeni et Madame Denis et une major Jean Akor Montana. Il y a au moins là un gros membre Akor Montana signataire. Qui ont même commencé à tirer pied là, puis ont dit qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Qu'on compte à tous son espèce de petit rencontre qu'a fait entre Mme Denis avec Ariel Henry, qui pata sur l'OPL engagé et accord là, en lui-même. Donc, nous allons parler avec votre parole OPL là, matin. Mais tout ça déjà. Vous ne voulez pas quoi? Tout ça. Oui, moi, il faut confiance. Il faut confiance. Et puis, après l'éditorial qui nous livre sur Nouvelle Histoire, qui nous a un compte rendu avec la collaboratrice non, glorieuse Nelson sur 24e édition Festival Compare qui fait à Miami. Et puis, interview exclusive Wyclef Jean, star américaine d'origine haïtienne, accordée à Franz Duval. Il est américain, non? Non, oui. Non. Si l'Américain devient américain après l'élection de 2011. Après l'élection de 2011. Parce que c'est le problème de Dégué, c'est le problème de résidence. L'idée que nous juge dit Michel Sala vit depuis 300 ans dans la zone lorsqu'elle bat de élevé et il est balcané. Il est balcané. Et l'autre monsieur qui est en face, il a même problème dans le balcané. Oui. Oui, Matéli. Oui. Il a même problème dans le balcané. Et même l'ambassadeur Metten va reconnaître ça. Haïti son pays extraordinaire. Non. Même jargon juge qui dit. Mon pays à part pour contre lui. Il dit monsieur toi c'est là son bon petit monde. Ou non son bon petit bagaille, son bon petit bagaille. Même d'apprendre que pour juge ça. Non, non, il était pour la coup de pied. Il va pas prendre la coup de pied. Non, c'est oui. Disciplinaire. Bien sûr, bien sûr, dans les sous-sanctions là actuellement. Bon. T'es comme mes yeux qui t'ont clenché contre lui pour ça. Mais sauf qu'avec mon me parler dans CSPJA, dis-nous que explication juge ça bail et qu'on comme d'adjo dit sous menace de chef gang vite l'homme, oui. Ah. Donc, son bail il fait sous contrainte. Sous contrainte. Et il dit tout que y a un appel téléphonique qui peut être bizarre entre lui-même avec chef gang ça. Okay. Il peut être bizarre. Et il dit tout des choses que j'ai au niveau de CSPJ qui dit tout. Et je t'ai dit au grand lait et tu es sur ton côté. Rivé la Kali et chef gang dans le lit dit ah moi on fait rivé là. Ah pas problème, moi fait rivé là. Et là tu fait oui non. Ça dit j'ai contrôle où. Bon, c'est ça, en tout cas, vous dites que monsieur dit non, au niveau de CSPJ. Bon, élément de contexte est important pour comprendre dans quelle situation de l'humanité, mais ceci n'excuse pas cela. Absolument pas. Absolument pas. Cela, bon. Absolument pas. Il y a des gens qui préfèrent le cacher que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, ça, bon. Et ça, c'est tchatch. Ben, nous avons pris l'information. La police a annoncé que il y a des gens qui sont fouqués, et notamment Poyo de Ozemokong. Vous savez, les Ozemokong. Et guerrier Fresnel et la police dit qu'on est comme actif 400 Marozo avec gang qui était l'homme, et bien au Foukeyo, dans mi balai dans l'hôpital côté hôtel prend soin. La police plus loin informé que nommé Ricardo Charles, membre gang 400 Marozo, qui était en possession de lui un fusil Galil, un fusil d'assaut Galil, qui tirait balle 556 mm. Je vais tout ça. Et bien monsieur prend balle, monsieur mourit pendant le tapé Goumé avec la police dans l'opération. La police était menée samedi 14 mai passé à. On côté que les en bas piquant. En bas piquant, li pas trop loin, marché communal Guadeloupe. Monsieur ça qui mourit, c'est mon Kenskoff, il a 21 ans. Et c'est une membre gang influent et organisation criminelle. Ça. La police nationale d'Haïti a mené plusieurs interventions ciblées pendant dernier temps. Ça, yo, et il y a des quartiers côté bandits. La police indiquait qu'il n'y a pas fouqué. Au plus loin, la police nationale d'Haïti
indiqué que la prochaine information pour le poursuivre opération pour les traquer bandit qui a bail problème. Maintenant, on a indiqué que par rapport à la situation d'insécurité qui gagne et kidnapping et de monde qui fait dans des bus qui a sorti en République dominicaine, notamment bus métro, compagnie métro bus, et nous on a senti que il y a trois compagnies Caribe Tour et Caribe Tour Capital Kouchnaï et Metrobus au fermé. Nous parler avec responsable Capital Kouchnaï là, monsieur Roosevelt Jean-François, qui dit nous bon, il ferme jusqu'à nouvel ordre, il dit si c'est pour son bolette et ou pas capable faire business comme ça. Il dit nous que il y a quatre machines et c'est pratiquement 1 million, plus de 1 million de dollars américains qui gagnent sur route chaque jour. Donc imaginez l'angoisse. Il y a 4 autobus à 300 000 dollars américains. Donc, il était indiqué que Bagala Antijan est compliqué. Pour lui, la police, toujours par rapport à la situation, ça dit qu'il a campé pour continuer de gommer par rapport à kidnapper. Et après, rappelé que Capital Cochin a été plus chanceux. Et mon Capital Cochin a été plus chanceux, dit comme ça. Et par rapport à mon métrobus, il y en a donné 10 personnes, dont 8 citoyens turcs qui ont kidnappé. Eh bien, 17 personnes qui étaient dans le bus Capital Kouchnaï là, eh bien, la police était intervenue à temps et était à permettre à Mounsa de une libération. Yo. Encore une fois, les images qui ont été partagées sur les réseaux, notamment par l'homme d'affaires et journaliste Yves-Marie Chanel qui a établi la République Dominicaine, montrer comment bandits ont opéré, comment ils ont à l'aise et les ont braqué la machine là. Et dans le moment côté, l'autobus a pris tirer colle après intervention de la police là. Nous avons toute maîtrise et toute dextérité conducteur agréé. Ils se font bac sur plusieurs, mais plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Eh bien, pour le retirer de cette ligne avec passagers, dans un moment extrêmement difficile. Donc, basé héroïsme et dextérité calme. Et que c'est agent sécurité capitale Cochin là, que c'est conducteur, c'est des bagages qui méritent de saluer dans un moment de grand danger, de péril. Ils ont eu le comportement approprié et ils ont su, grâce à l'intervention de la police, un peu comme on dit, grâce à bon Dieu tout, il fait la police de là, eh bien, ils ont sorti sain et sauf. La police, plus loin, a indiqué qu'il continuera à poursuivre malfecteur. Il met main dans pas de cassave 9 individus dans Saint-Raphaël, là, nous, dans la commune Nord, nous, dans Nord. L'El Tapfon Checkpoint jeudi 12 mai passé à c'est M. Lucien Kadek qui a 28 ans et puis il y a un autre qui est le Master Freak. Yo tout c'est dans membre base 400 à Maozo. Et Mounsayo, c'est des présumés bandits qui ont arrêté pour détention illégale d'armes à feu et pour association malfecteur pendant la journée ça dans la localité Marécage. C'est ça, il va poursuivre pour dire qu'il y a l'autre tout, il a arrêté parce qu'il a gagné un arme avec munitions dans la main. Dans le coup d'Avenson Blanc, il a arrêté lui avec munitions et dans la zone ça, il est membre de bande armée. Et il est originaire de l'Embel, il a gagné un ami, on ouzi avec un calibre M4. C'est ça, la police va poursuivre pour le dire dans le communiqué. Il a rappelé que la semaine dernière, là, eh bien, la police nationale d'Haïti a mené une opération dans Pétionville, dans Métivier, Doko. Eh bien, il y a 6 individus qui ont arrêté et il y a 5 individus qui ont été touchés mortellement. C'est ça, la police a dit qu'il a réussi dans le cadre d'opération ça, saisi un Glock 23, calibre 9 mm et 2 véhicules. Maintenant, hier, il y a plusieurs SOS qui ont lancé par des gens au niveau de Perny. Maintenant, on a cherché plus de détails. Si il y a des gens dans Perny qui ont plus de détails, il y a à partager là avec nous, mais pendant le week-end, là, mais Tibène et balle pas de jambes suspendues pété et au niveau de. Je dis tout hier soir, des grands oui, jusqu'à. Il y a des gens qui disent jusqu'à 8h30, 9h, 9h, moins 10h, balle t'a pété. Et pratiquement, la police qui est très sollicitée, et il faut souligner ça, les policiers avec très peu de moyens font de leur mieux pour essayer de repousser les bandits et mettre en déroute, mais encore une fois, et ça prouve la nécessité pour que la police ait les moyens pour accomplir mission. Et là, on a regardé le budget, notamment le budget qui est alloué au ministère de Justice et de la Sécurité publique. Il y a simplement une augmentation d'un peu plus d'un milliard, moins de 2 milliards de gourdes par rapport au budget précédent. Alors là, il y a une interrogation, où sont les moyens, où sont les moyens financiers que il y a bail pour que gagne renforcement des capacités opérationnelles. Encore une fois, le pays n'a pas arrêté sans honte. Pour ce second blanc, l'aptan et pour lui, il était le moyen pour lui assurer la sécurité. Maintenant, est-ce que c'est des montants côté nous, il y a une augmentation, notamment ministère de planification, est-ce que c'est des montants dans le cadre
budget investissement côté gain 60% dans composante ça c'est un financement international lié. C'est des explications que le ministre économie et finance je présume gain pour bientôt nous permettre de ventiler et comprendre mieux. Mais encore une fois, on pays qui est dans une situation de crise côté entreprise affectée, côté circulation monde avec véhicule affecté, nous pas ouais des allocations budgétaires tout au moins dans le ministère de tutelle et des entités qui sont responsables de sécurité et du territoire et qui nous parlent des allocations budgétaires significatives. On a parlé à la fois du ministère de la Défense, on a parlé à la fois du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Au Benton, sur mon demi-seconde, on va aller budget. Et éventuellement intérieur tout. Oui, bon, éventuellement ministère intérieur, c'est ça, et c'est ça nous regarder. On va aller budget, oui. Mais en tout cas, on me dit dans la zone Torsel, où tu as parlé là, zone Pierny, où tu as parlé là, information qui arrive jeune nous, eh bien, Mounio SOS, c'est Bandi Sao, il dit qu'il a rentré la Kaimoun, et il dit qu'il y a des bagailles qui ont pillé, qui ont fait une tentative. Ils ont pillé, au volant. Oui, bon, puis il y a français. On te volé, on dit que tout est tentative, on te boule l'église Fatima qui est dans la zone. Et c'est ça, vous nous avez dit nous là. Et souligner son situation qui est extrêmement compliquée pour eux. Et on craint pour ça que tu es passé la plaine, non pas passé tout dans Peigné et Torsel. Bon, et ça a lancé. Même qu'on est, pendant plusieurs jours, la police a mené opération dans la zone. Là. Il se trouve que la police a mené des opérations, mais elle n'a pas arrêté. Oui, maintenant, moi j'ai un budget au tapement de le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. J'ai une projection de budget pour 2020-2021 qui est 17,9 milliards. Là, les 19 milliards, soit une augmentation de 1,9 milliards, près de 2 milliards. Maintenant, est-ce que par rapport à l'urgence qui vient, c'est seulement ça qui a mobilisé comme ressources pour que l'institution ait un moyen? Pas oublier, si caillou cassé et Robinson joue caillou cassé, je vous donne la garantie. Et c'est effort à faire, c'est au casser porte là, c'est au péter barrière pour chercher un monde pour souder le bout, pour chercher un monde pour monter mi bout, pour chercher aux gens, pour sous pas acheter babelé, pour craser bouteille, pour mettre, pour renforcer la sécurité. Maintenant, par rapport aux allocations budgétaires pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, il y a des explications qui sont supposées par les ministres sectoriels, les taguins pour intervenir pour donner mon explication si jamais vous pouvez. Que ça nécessaire parce que parti ça par exemple et pour le ministère de la défense sur Abdou Sala et bien simplement et il est passé de 1 milliard 499 à 1 milliard 464 donc on diminution de moins de 2,3% en ce qui concerne le budget du ministère de la défense. Maintenant qu'on l'autre bagarre été souligné et quoi l'important pour mon connaît et mon qui t'a pédé prêté comme Peto Caribé t'a filmé comme Black t'a boire comme Black t'a volé comme Black t'a fait toute qualité. Je vais aller dans Chalimou. A fait au Akobla, et bien, il a quitté dans Bisquette de nous-mêmes 33 milliards de plus gourdes. Plus que 33 milliards. Plus que 33 milliards de gourdes de service de la dette. Service de la dette, donc de paiement de dette. Ça, alors, elle cherche ça, le fait qu'il retombe le rien sous qualité de la vie, sous développement pays, sous sécurité pays, ou pas journée. Donc, mon mal fait quoi. Comme la pas de servir pour faire croissance économique, comme la pas de servir pour faire création de richesse, pour retirer dans sa nia. S'il te servi pour ça, il n'y a aucun problème pour payer des tout. Ni investissement sérieux dans le social. L'on le prête encore, ou font investissement, pas un problème pour payer des tout. Faut payer des dettes là. Tout gros pays yo chargé dette mais comme yo fait dette là avec l'IA comme là et comprend d'où les commerçants a fait business comme là la vie li baï tête li paye tête li mais ça nous prêter là chercher et de me chercher ouais si par exemple yo t'investi un paquet de cob dans Waf Jérémy pour te faire voir lorsque transport et maritime était déjà au point mort. Je te dévance mon paquet de copes pour te construire une infrastructure dans mon marché. Dernière fois, je me suis rentré dans le marché. Marché Fadamara, vous parlez? Non. On parle de Waf Jérémy. Waf Jérémy. Là encore, c'est une grosse éléphant blanc qui montre Jean Aguissi et Jean Aguissi capable. Afin de m'y capable. Mm-hmm. Et encore une fois, nous bonjour à nos amis de la Cour des comptes. Et vous ne faites pas la main. Vous avez besoin de vous mettre en contact avec vous. S'il vous plaît. Oui, comme qui veut dire. Qui l'a fait, bah, ça, qui l'a fait, vous avez besoin. Moi, qui veut dire devant vous, pour commencer à traîner devant le tribunal là, pour vous venir juger. Ah bon. Bah, qu'on est long. Mais ça, bah, là-bas, il est long, hein. Et vous rapport Covid là. Tu quoi tu veux nous dire y a travail sur lui mais au gros chaud comme ça bon le monde qui bon notre délai encore au gros chaud comme ça bon le monde qui bon mon délai encore tenez non qui est à Bali on va poser aux questions là au chaud on va poser aux questions
pour être président. Pas de président, pour que ça soit seulement 36% de retirer dans le budget de la présidence. Demande-moi. Eh bien, ça me fait la mando. Pas de président, pour que ça soit seulement 36% de retirer dans le budget de la présidence. Demande-moi. 36% pour me plus exact. Ah non, mais tu as qu'à l'autre côté, Tibène. Non, ma vie sous chambre député, ou qu'avine sous chambre. Ou qu'avine sous sénateur, si vous voulez. Pour qui j'en parle là. Ou qu'avine, non, mais on ne pense pas président. Si président parle là, puis la paquet de conseillers, il parle là. Il y a une bonne bagaille qui n'a pas besoin dans la présidence. Pour qui ça est seulement 36% retiré sous lui. Pour qui ça n'a pas retiré de façon substantielle sous lui, puis vous voyez ce ministère de la justice pour permettre la police à jouer moyen. Pour mettre la police à jouer moyen que le besoin, équipement que le besoin pour le faire travailler. Ou de dire en décembre, il faut garder pour chambre députée. Il faut garder pour Sénat. Pour Sénat. Il y a retiré seulement 24%. 24,8% sous Sénat. Pour 10 sénateurs. Combien de oublier? Pour 10 graines. Pour 10 graines, sénateur. Combien de Sénat a gagné comme budget? Ça augmente. 1,8 milliard. Ok. Il gagne. Ok. Et député? Député, yo. Et vous-même, vous avez 1,6, plus 60, 1,6 milliards. 1,6 milliards? Oui. 1,6 milliards. Pour j'aime député. Il y a vacances? Oui, il y a vacances. Dysfonctionnel, pas que j'aime député. Bon, pas que j'aime député, mais l'institution, il faut reconnaître que l'institution est là. Bon, là pour faire qui ça? Pour y aller, ajouter ça les prochains élus, ou elle combien? Parce que là, c'est sans salaire. Non, c'est pas salaire élu pour eux. Sans salaire élu, là. Non, c'est pas salaire seulement. Et plus privilège. Salaire, avantage, privilège, tout et tout. Tout et tout. Là, mais table, ça va devenir. Faut nous prendre un peu dans le lit, oui. Parce que c'est son construction, hein, monstruosité, là. Et qu'on paquet de politiques qui passent là, qui viennent tout taper les pannes en pile dans les oreilles. Ils participent dans l'obéir, ça, oui. Oui. Et comme si m'ta Dubaï la fils, comme si c'est coulé dans le béton, oui. Et gon Jean ministre finance fait li, gon Jean moun yo fait l'obé yo, et puis comme si m'ta dou là pour dégager ressources pour des bagages qui prioritaires essentiels ou pas jeune. L'ob garder budget avec ça on mettait comme axe prioritaire yo. Yo la première priorité yo, c'est rétablissement climat de sécurité dans pays a et en façon pour capable permettre élection faite. Sécurité et élection. Et on fait qu'à souligner là, loi de la justice, oui. Comment il a géré. Parce que sécurité, c'est là la sortie. C'est ministère de la justice, c'est ministère sectoriel, souvelé de la police, ministère de l'étude de la police. C'est pour cette augmentation du budget. C'est là l'investissement de la police a passé. 1 milliard d'euros. Oui, il a passé. Il a la passé. Oui. Mais on ne peut pas mettre quoi là. Qu'on doit le mettre. Qu'on doit mettre pour permettre la police à jouer une salle qui est besoin. On va parler des élections. Ok. Est-ce que vas-y, on va venir avec deuxième volet ça. Autre intervention publique. Bah, connais. Si on va faire ça. Mais si on a bon signal, on va voir le pays. Écoute. C'est là pour mettre. Écoute. Bon, si ouais. son budget va faire, quand on va mettre là, c'est là. Ok. On regarde qu'on y a là, on dit on va faire élection. On a besoin de sécurité là, pour faire élection. CEPA, on diminue l'argent, plat à terre. Et 29% ont retiré ce comme ZPA, oui. Non, pas un problème pour ça, le tapitil, non. Mais soit font projection d'élection. Parce que nous avons budget à son projection liée. Ouais. Ou une projection d'élection. Ouais. Soit fait projection. Hein. Faut projection hein, traduit réalité. Faut projection, c'est expression de volonté sur besoin faire, qui c'est organisation d'élection. Mais retirer 29% ce comme ZPA. Mais ZPA en même temps, tout. C'est pas conseillé. Yo. Yo te baye rapport madame non? Madame mes adieux. Ouais. Qu'est-ce que tu baye rapport? Non mando, c'est un rapport sur comme madame ça a dépensé. Tant de droit de mes qualités d'après ça et des chemettes là qu'on dit là. Moi demande ma qualité de coup des comptes ou bien. Ça nous paye ça son addition de monstruosité. C'est une addition de monstruosité, de responsabilité, de gaspillage de ressources. Bref, oui. Où va poser une question pour référendum de vous? Référendum? Bien sûr. Soit j'ai un référendum. Non, mobilisation de ressources pour faire d'homme. Ah oui. Oublier? Oui. Non, c'est un pile quoi. C'est un pile d'argent. Jusqu'à présent, beaucoup j'aime bien. Beaucoup j'aime bien. Il y a un rapport qui baille sur ça. Oui, j'en ai à l'aise. Hmm? Oui, j'en ai à l'aise.
Non, c'est parce que je me demande, vous avez dit pas que sincérité budget ou te pété. Regardez quoi son mot. Ou te dit son gros mot français. Regardez quoi son mot, sincérité. Ou te pété rime, oui. Pardon. Vraiment. Bon. Le gros FNZ n'a pas proposé ça. L'en tourne, nous allons entrer dans le chapitre politique là, parce que c'est des sales agis tout. Yon mob dans le bureau suivi à Kou Bontana, fait nous connaître hier. C'était la deuxième rencontre qui était gagnée avec le premier ministre. Non? Après la première rencontre qui était faite jeudi passé, à côté que Madame Magali Komodeli était rencontrée avec le Premier ministre Ariel Henry, nous avons pu te rencontrer le week-end. Et bien, hier, le membre du bureau suivi à Kou Bontana a fait nous connaître que nous rencontrer. Ben, nous pouvons véritablement connaître qui ça qui dit dans la rencontre, ça, sur comment il n'y a pas avancé. C'est dans le contexte ça, déjà il y a des signataires ou tout au moins si signataire dans à Komondana et pour ça qui rend public qui yo même déjà tiré pied là et qui déjà considéré son tir en compte entre madame Denis avec Ariel Henry qu'a fait là. Ouh. Oui, OPL. Hein? OPL. Paf. Parce qu'on est OPL, c'est un Non, son groupe parti politique signataire de à Komondana, président et coordonnateur OPL, t'es candidat. Donc il sort dit un groupe parti politique, dit. Combien il est dans la dernière législative? Faut me dans regarder, il est pas président. Comment il est dernier fois président? Mais si c'est ou même si n'a pas politique. Soit regarder qui est dernier fois parti politique par président, ou pas pour aucun parti politique. Pratiquement. Ou pas pour aucun parti politique pratiquement. Vous dites gros. Oui, gros très dans bonne baie, il y a la perception de gros, il y a et aux amis de là, c'est bah on est. Il y a un gros en détail aussi, non? Dans le groupe qui évoque. Bon, quel parti politique qui en détail? Ah, bon, bref. Vous devez retirer quoi, mon frère? Non, oh, mandez, je ne vais pas me retirer. Vous devez retirer quoi? Si affaire, ou dit affaire, ou je comprends bien, comment nous connaissons mon sujet crétin? Qui signataire à quoi? Qui, bon, nous allons parler avec les porte-parole, là, comme ça. Okay. On va poser toutes questions, ça, qui n'a pas de réponse. Et je nous ai annoncé ça, une interview exclusive. Franz Duval réalisé. Ouais, avec le frère Duval, gros black. Gros black. Oui, gros black. De tout ça qui est passé dans la 24e édition Festival Compa. Bon, oui. pendant la période, ça, on demandait les madame. Budget, c'est année 2021-2022. Oui. C'est ça, budget. Oui. Vous dites bien avisé là qui m'a dit non et budget quelle année. Six mois. Oui, exercice ça. 2021-2022. Oui, 2021-2022. Oui. Maintenant, bon, budget encore une fois, il y aurait l'île comme ça. Mais, ou pas carré l'île comme ça. Parce que le bon loi de finances, parce que le budget sur la finance. Le budget qui voté devant un parlement. Comme nous, nous crasons tout le bagage, il y aurait l'île comme ça. Mais on carré le budget. Ou carré le décret de finances. Ou carré l'île comme ça. Mais, le premier ministre a une qualité pour le décret. Bien sûr, Gabon. Bien sûr, Gabon. Il est capable. Oui, il est capable. Bouton de l'été dit ce scoop, il a déclaré la guerre, il a fait. Oh! Bien sûr, il a pas pris décret. Ok. Il a pris décret. Si c'est lui qui va organiser l'élection, c'est comme ça que l'élection va l'organiser. Pour faire décret électoral, c'est lui qui va le prendre, éventuellement. Si c'est avec l'élection, il a organisé. Donc, il est capable. Il est capable de prendre décret. Entre-temps, on a fait toute l'obéissance dans le pays, il y a un grand goût d'année. Non, ça c'est. Mon yon a bon grand goût et bandit en péché, mon yon. Ça sont l'autre bagaille qui. Prends pause, nous pas prendre ça. Bah, grand goût à parler, hein, mon frère. Façon bagaille qui touche même mon cap travail. Bon, je dis même mon cap travail. Son façon de parler. Parce que quand mon cap travail, c'est toi, on prend de travail pour faire qui ça. C'est notre travail là qui yon gagne, mais après ça. Regardez ça, mon jeune. C'est affaire de grand goût à parler là, mon frère. Et. C'est parce que toujours ensemble avec nous sur Radio Magique 9, sur le budget à parler là, Oberson, il y a des connaisseurs qui sont traînés nous là pour nous des positions par eux. Je vais comprendre le budget. Mais même d'autres, sur grand goût, d'abdi grand goût, il y a des gens qui disent grand peu de cap dit au grand goût, mon cap travail, cap dit au grand goût. C'est la vérité? Oui. Gros amis nous qui disent grand goût, d'abdi gérer ça. Mais il y a fait un jeune, nous pas un problème d'abdi gérer ça. C'est l'inverse. Je vois même qu'on a mangé. Je vois, il y a fait un jeune, nous pas un problème. Mais il y a bon. D'abdi gérer ça, mais cafétéria là. Ou mes cafétéria là? Il y a un boîte à l'un tout. Oui, il y a cafétéria vraiment. Bon, on va faire ça. On va faire ça si tu vas l'obtenir là. Les gars disent c'est pas réglé à l'ouap avec la fête là. Non, depuis plusieurs années. Le cafétéria solide ici là. Tout capable. Ça, je mets ton petit lapin. Oui, dans l'esprit tout. Dans l'esprit. Oui, bon, son débat qui était ouvert sur le budget.
parce que chiffio en principe chiffio traduit ça autorité ou gagne dans tête yo comme priorité au-delà de ça yo écrit comme priorité c'est chiffio qui pral véritablement traduit ça ou gagne comme priorité et là ou tape ventiler chiffio nous ouais côté bon, qui gagne non pas bayo mais sans ventilation parce que il faudrait que ce sont les ministres sectoriels qui viennent nous expliquer. Bon, littérature autour de chiffio pour qu'on fête, pour qu'on fête. Mais nous t'as mettez quelques, t'as cité quelques chiffres. Oui. Donc il y a un budget. Non. Vous payez un salaire bien là, il vient expliquer comment le ministère de justice et de sécurité publique, qui c'est le ministère de tutelle, la PNH, il y a seulement 10% d'augmentation de son budget. 1,9 milliard de gourdes. Expliquez-nous et des mobilisations pour des institutions et très importante et des mobilisations importantes pour des institutions nous connaît qui en hibernation. Est-ce que c'est masse salariale qui aussi importante? Il faudrait qu'on nous explique. Expliquez-nous. Bon, second bien entendu, c'est exactement ce que je dis là. Second logique pour un député a gagné autant d'argent alors que il n'y a pas de député là-dedans. Second logique pour comme ça pour 10 sénateurs alors que c'est 10 seulement. Oui. Capable bon logique pour ça. Capable bon logique derrière ça. Donc c'est à autorité qui peut expliquer logique là. Oui. Ouais, parce qu'on est au plus fort et au plus éclairé, c'est au fait bagaille. Bon bah qui clair et on connaît. Bon bah qui clair dans budget ça masse salariale là, il est très important là, les dépenses de personnel là. Oui. Dépenses de personnel budget de 210 milliards de gourdes. Et dépenses pour personnel représentées 66 milliards de gourdes. Donc, des dépenses qui sont très importantes. Maintenant, on a un paquet d'autres questions que nous devons poser. Et sous dépenses biens et services, et l'OABGA des montants qui a loué à dépenses biens et services, et bien, il y a une question qui revient toujours et chaque année. Et oui, dépenses de services, c'est très bien. L'administration a besoin de biens et de services pour fonctionner, très bien. Maintenant, là, on a un fonctionnement encore une fois. Mais maintenant, à la fin de l'exercice, il y a toujours demandé pour vous présenter les inventaires. Est-ce que les inventaires. Parce que, par contre, combien de fois on nous pose des questions là, ça là. Est-ce que les inventaires sont présentés de manière systématique pour nous connaître si l'État a gagné 10 chaises dans l'exercice 2021 hein, et il va besoin d'acheter 10 chaises encore dans 2022 hein. Donc, il faut jouer la carte de la transparence et expliquer tout ça. Donc, c'est là l'organisme de contrôle, il est très important. Maintenant, le Parlement, bon, Parlement, ça semble extraordinairement inutile en termes de production et extraordinairement inutile en termes de suivi pour le monde regarder leur voter loi de règlement qui sale cabaye. C'est quand même pratiquement défoncé avec l'exécutif là. Bon, eh bien, donc. Tu passes pour moi passer chez chaud. Son organisation. C'est même pas ayoté. Yo ensemble. C'est pas aucun monde capable dire 50e législature a été joué rôle contrôle. D'ailleurs c'est même pas ayoté avec exécutif. Des fois pas connait qui est exécutif, des fois connait pas connait qui est qui était parlementaire dans 50e. Pas accident. C'est grand pile monde qui gagne chalumeau dans main yo puis au croisé tablon après la affaire yo. Maintenant comme ça l'état finit par déconstruire la banou là et tout. Responsabilité a, je suis désolé de le souligner ou de le souligner. Les collectifs ont paquet de petits consentements qui construit monstruosité ça. Mon collectif de la Fonion, c'est oui. On l'aime des collectifs là et c'est pas la responsabilité d'un individu. C'est la responsabilité d'un ensemble d'individus qui ont été en position et de décision au sommet de l'État. Voilà. Et ça m'a dit ça, merci beaucoup. Oui. Voilà. Oui, parce que l'on dit collectif là, même des cas toute la population. Merci. On va aller avec le chapitre politique là. Nous avons évité de la question ligne. Nous allons attendre réaction OPL, mais on nous donne un petit détail. Rapidement, OPL faut souffrir pour nous sur ligne. On nous donne un détail sur la deuxième rencontre entre Akomondana, c'est le cas comme ça, et Premier ministre Ariel Henry. Et professeur Jacques Tête, c'est que c'est bon bureau suivi à Akomondana. Bonjour. Bonjour Robinson, bonjour Berson. Maintenant, nous là, son point qui est intéressant, nous saluons l'auditeur avec l'autrice Radio A. Mais, puis, ça m'a dit, oui, là, ça m'a tenu à dire, là, nous disons toutes les mêmes bagailles, pas bien qu'il y ait une différence d'exécutif avec législatif. Et c'est un gros problème, oui, c'est du bas, ça nous allons discuter après. Parce que c'est la question, justement, de pouvoir l'État, comment vous l'organisez, comment vous constituez. Et c'est pas une question de Al-Campos, de Al-Chef, ou bien Al-Président, bien Al-Directeur Général, du fondamental. C'est comment vous définir le cadre. Pour gestion politique à faire autrement. Et c'est dans ce monde là. Donc, moi, ça rapidement, il me tape nous. Et puis, vous ouvrez vos questions.
Tout à fait, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Deuxième rencontre ça qui était faite hier dimanche là, d'abord confirmé pour nous et puis bon nous petit détail autour de lui-même. Est-ce que c'est encore quand madame Denis était faite ou bien c'était fait de l'autre côté? Qui est-ce qui participé fois ça dans deuxième rencontre ça? Oui, effectivement, il fait hier réunion faite qui durait 2 heures, moins que sa première, parce que là, c'est une réunion qui allait vraiment sur une base que c'est qu'on partait préparer au document, c'est bien, qui devait être facilité dans ce plan, il partait simplement parler, chanter en vain au déblayage, non, il n'y a pas avancé un peu plus sur le principe de négociation, comment on a fait ça. Et nous avons une sorte de protocole de comment ça a fait, de parler ça, comment ça a fait, et le protocole ça, c'est lui qui parle, qui dit hier, qui déposait et que M. Ariel Henry allait avec lui pour faire y ont des commentaires, des suggestions, des modifications, des propositions sur lui-même. Et il dit pour maintenant que je dis à vers midi, il n'a rien et documentaire. Donc, pas particulièrement ça grand document, c'est comment il a créé un environnement qui permet que le dialogue politique soit fait. Pour qu'il s'en a fait le dialogue politique là, côté la fête et qui dure la gagne, qui agenda de sa campagne dans lui. Et puis qui composition moun kap chita yo, composition délégation kap la yo, et qui est sur bien observateur, sur bien observateur dans le dialogue politique là, et puis les modalités du dialogue politique là. Donc c'est un point ça qui est essentiel dans le document que nous discutons hier, que nous transmettons pas, et qui en principe, je dis bien, ils ont pareil que commentaires ou composition que le gouvernement place fait, que M. Ariel Henry a fait par rapport à ça. Est-ce que ça c'est tout le monde bureau suivi à Commandana qui a participé dans le deuxième rencontre ça? Non, nous avons privilégié encore une fois, j'en ai fait la première fois, et sur la base de discussion de l'Ariel Henry dans Montana, nous avons privilégié que c'est Lyon, rencontre cette même chose pour la première fois, c'est le docteur Ariel Henry et Mme Magali Komodoni qui sont ensemble, et vous avez posé la question, c'est la carrière de fête, oui, deuxième carrière, mais c'est la dernière, pas bien un contact fait encore en privé là. À partir de nos documents que nous avons là, nous, dans le ouvert, et les informations sont faites de manière régulière et après une précision qui annonce ce qu'il a fait et qu'il a fini et qu'il nous a fait là, de façon que toutes les populations et auditoires, particulièrement, qui sont sur le cap de suivre, ça va passer. Maintenant, deux rencontres, ça, si ma tête oublie là, professeur Cédric, il était fait pour le déblayer et mettre une sorte de modalité pour nous continuer avec la rencontre, c'est ça? Absolument. Absolument, c'est ça. Première, c'est déblayer, casser de la salle, permettre que vous compreniez, parce que je dis encore une fois, il est nécessaire de votre compréhension commune de l'urgence du moment, de chaque gain là, et les difficultés qui gagnent pour aborder, le problème qu'on peut aborder pour tout, ou bien avec un groupe, difficultés gagnées. Donc, nous pensons que nous avons persisté, nous n'avons pas besoin de suspendre ça. Si par un consensus large, on a côté de force, de force sociale, de force économique, de force politique, et force de nuisance surtout, ou par un bon côté pour aborder les questions avec eux, pour mettre en situation, pour respecter au moins que le peuple a qu'à vivre différemment, dans conditions distantes, et que le cas circule normalement, ou pas quelque chose pour aborder les questions, pour sereinement, pour qu'à résoudre. Donc, c'est le sens que nous avons fait, nous avons compris sur comme ça, et maintenant, on va avancer sur les modalités, comment ça va faire. Vous parlez de l'environnement pour dialogue là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que, et dans le sens ça, nous pensons que, premièrement, il faut que l'interlocuteur soit clairement identifié, qui est celui et qui m'a d'accueil dans la main. Et là, nous avons un ton point ou bien nous consensus sur les points. Et les CIAT qui a posé à lui engager tout, c'est une base que ça y est. Et nous pensons que pendant la période de ça, tout le gouvernement a pu voir, pendant que la paix bagaille ça, il est capable d'engager l'État dans le sens que la modifier les structures de l'État. Par exemple, la question de la Cour de cassation. D'autant plus que nous dit, nous ne pouvons pas être non plus sur 15 jours pour nous arriver à un accord sur le calendrier que nous proposons. Donc la question de nomination du juge pour cassation dans la période, ça comme c'est une urgence de faire sans que nous n'ayons pas gagné une base de société qui discute et qui accepte, parce que nous n'avons pas un gouvernement de transition, je dis à Cadiz, qui a engagé le pays à 10 ans en nommant des juges à la Cour de cassation. En demandant à nous, dit que nous pensons que faut un concours de cassation qui a fonctionné sur la base de consensus, mais de manière transitoire. Donc ça veut dire que si la Cour de juge nous va engager pour faire ça, il faut au moins d'avoir un consensus qui dégage sur les 2 ans de la transition que juge là et puis dans la fonctionner, c'est un premier élément. Ensuite, en dehors de ça, le conseil électoral provisoire, il faut prendre un moment ça, nous allons engager nous le conseil électoral provisoire, nous parlons de l'Assemblée constituante, nous parlons de notre coopération ça, pour le moment, nous prenons visible à l'ambiance générale de négociation nationale, ça va parler de 4 pistes. Pour ça, ça améliore ça, même pour la question de la sécurité. Le monde qui va participer en dedans, quand elle va discuter, il y a eu côté à bien, il faut au moins un minimum de sécurité en garantie. Prenez le cas, c'est un minimum que ça gagne. Par rapport à grand désordre de sécurité dans le pays, il faut un bon espace. On a certainement insisté pour résoudre le problème ça gagne
pour sortir dans le sud pays, pour sortir dans nos pays, et ça va passer dans deux pays sur la question des kidnappings, pour aborder eux, mais il faut qu'on sélimité qui fait dans le côté de sa fête, pour passer des menaces ciblées que vous. Donc, nous demandons qu'il y ait un minimum de sécurité qui est dans ça. Et puis, est-ce que le dialogue-là a déroulé en présence d'observateurs nationaux et internationaux? Ça dépendra de qui gens que deux parties auraient. Mais nous n'avons pas de problème, nous-mêmes, nous verrons ça, que y a des gens qui témoignent de ce qui a passé, de qualité de ce qui a fait là, de l'engagement qu'il a eu, et du sérieux par rapport à la situation sérieuse de pays. Maintenant, pour nous parler environnement propice à réussir le processus. Pour nous parler de l'observatoire, nous connaissons un comité de médiation qui était formé, qui était trois personnalités dans la société civile à la Dandy. Monseigneur Auger Beauvoir, professeur Jean-Bert Charles, avec homme d'affaires et Laurent Saint-Cyr. Et comité de médiation, ça, nous parlons avec un membre qui dit malgré le premier recours qui était fait là, même il continue le travail. Et nous prenons ça en considération tout pour nous utiliser les services. Bon, je ne sais pas si vous utilisez les services. Par contre, pour ne pas utiliser non plus. Sauf que nous, le processus que la marche avec nous. Et même sans qu'à dire par rapport à le comité de médiation paléa, nous toujours dit que nous demandons, nous ne pas contre leur formule. Nous ne pouvons pas contre sorti. Nous ne pouvons pas qu'est-ce qui va le mandat. Nous simplement, ouais, il y a trois personnalités en un pays qui décident au matin pour son comité de médiation. Mais là, nous pouvons poser aux questions, par contre, sur la radio pour l'amener poser des questions, il n'y a pas de mandat. Ça ne dit pas que si ils ont bouillon le payer, mais nous qui déposons le vignon à la veille. Donc il va remettre tout. Il ne va pas remettre ça. Mais en même temps, on va considérer des institutions pour les sociales, c'est une institution qui désigne. Régulièrement, ça veut dire que des assemblées faites dans la chambre de commerce, désigné M. Saint-Cyr. Peut-être que ça fait, on ne va pas information ça. Ça fait dans la population, peut-être que le fait, nous ne connaissons pas. Mais ça fait peut-être dans la religion pour la paix. Ils ont fait ça. Mais en même temps, nous entendons dit tout sur la radio. Une médiation à faire, c'est rencontrer tout le monde qui vient, tout acteur. Politique, sociale, économique, et il apprend de tout, mais en fin de compte, il apprend des documents. Lorsqu'il fait des documents, il a mis des documents devant la nation, et la nation a décidé. Par contre, c'est ça qui est l'éducation, peut-être que c'est une nouvelle manière, c'est une technique nouvelle que vous connaissez, qui a développé eux-mêmes pour le faire. Bon, l'un dit ça, ne pas cracher tout ça à faire, ne pas en compte avec eux. Si effectivement, organise que nous disons, représenter un dans sa radio hier, par un mandat, il fait une légitimité du lieu où il s'est dit là, nous achetons avec eux pour nous discuter, pour nous garder, est-ce qu'effectivement il y a un rôle là, est-ce qu'il n'y a pas un rôle là. Donc nous n'avons pas la situation de braquer son rein, sauf que la situation du pays est trop sérieuse pour nous éviter dans une forme de spontanéité individuelle. Il parle de spontanéité individuelle, ça prend temps pour construire son affaire. Et ça prend sérieux à construire et leur paraître. Il faut que vous au moins assurez ou avec une diation de deux parties. Est-ce que deux parties, vous consultez ou parlez avec eux? Nous-mêmes, nous n'avons jamais reçu jusqu'à date aucune invitation, aucun appel concernant justement ce comité de médiation. Ok, sauf que l'information gagnée, lorsque le comité s'est monté, tu gagné. Peut-être que vous n'avez pas représenté à Commandana, mais il y a des signataires à Commandana qui ont participé dans une rencontre qui formait le comité de médiation. Ça. Oui. Et il y a des signataires à Commandana de côté. Oui. C'est-à-dire que le deuxième principe, il y a Commandana, pas dans quel côté vous invitez dans Commandana, pas dans quel côté vous invitez le libéral. C'est le principe-là. Le principe, par exemple, basé sur base de rencontre. Mais si pendant que vous êtes là, et vous avez un moyen détourné pour utiliser présence, pour dire que la loi a fait ça, ça va marcher. Parce que par contre, qui position dissidente, nous n'avons rien à l'interne. Ou pas de procès verbal de réunion. Donc, il est facile de dire, ah, t'es un tel qui est là, parce qu'un tel est là. Et comme si Ben Madi dit, parce qu'il est bon calotte, mais qu'il est quand même sur tout droit. Et lui, il disait, monsieur, puis comme il était là, si moi, c'est lui, il calotte là. Je ne vais pas faire ça. Je savais que. Pour que nous ne pas poser de cette manière-là, poser de manière sérieuse. Et nous ne pas faire un engagement individuel. Chaque union, chaque s'en affronter, il faut qu'on bagage cette certifie de mon engagé sur tel point, et c'est tel bagage que je fais, et le mandaté pour tel monde. En tout cas, les gars, rapidement, on dit que là, dans échéancé nous gagnons, nous allons être nous 15 jours pour nous joindre un accord politique. C'est ça nous proposer à M. Ariel Henry. Ok. Et 15 jours, ça a commencé à partir de qui l'aile? Commencé déjà ou bien il a commencé à partir de l'aile? Nous faire un compte avec Pi d'Argent. À partir que le principe, ça a admis par eux-mêmes, ça nous met hier là. Début de l'admettre par M. Ariel Henry, et puis nous débattons. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de jour. Nous parler parce que j'ai une situation là, nous pas qu'à quitter le continuer comme ça. Ok, c'est bien. Si vous commencez à Napton pour Dr. Ariel Henry, confirmer ou bien d'accord avec Sanvoué Bali comme point
pour nous avancer avec rencontre. C'est à partir de là nous allons faire un compte pillage côté que membre bureau suivi à commandant va participer là-dedans et docteur Ariel Henry va participer et d'autres signataires encore 11 septembre va participer nous rencontre qui pillage si me comprends bien. Absolument c'est ça qu'on va faire à partir du moment ça il promet nous pour meeting jeudi à que la recevoir et les commentaires, les suggestions, les contre-propositions, les modifications à recevoir. Peut-être que ça va nécessiter un moment de discussion rapide pour nous mettre d'accord sur ça qui paraît nouveau dans l'élément que nous discutons. Et puis nous avons fait. C'est comme ça nous y est là. On va attendre simplement le signal de M. Ariel Henry. Maintenant, et dernière question, on commence à dégager des membres signataires comme Montana à Cap Vaux et là, notamment OPL, qui prend le bon détail sous position là, et qui t'a et dit, rencontre qu'a fait là-haut, c'est rencontre personnelle entre Mme Magali avec Ariel Henry qui n'a pas engagé, Mme Denis et Magali Kobodoni qui n'a pas engagé et signataire à Cap Vaux Montana, soit pour prendre ça. Bon, moi-même, je ne vais pas aller sur la place publique pour me discuter des bagages comme ça. Parce qu'en général, en Montana, toute difficulté depuis un an à travailler, toujours résolue à l'interne. Et il n'y a pas une semaine, je suis sûr, il n'y a pas une semaine que nous rencontrions le président OPL. Et nous discutons avec lui sur sa capture. Donc nous avons mis au point fait régulièrement, nous parlons de bagaille qui est péton scandale ou un lobo, et puis ensuite la garde ça passe à fait. Non, nous parlons de ça. Plus, même si il y a une présentation publique qui fait. Donc, une divergence qui a été différente, nous-mêmes, nous avons retourné à l'interne, nous avons rechuté avec eux pour nous comprendre ce qui est passé, qui problème qui gagne, qui j'en ai résolu, parce que nous croyons fondamentalement, nous ne pouvons pas craser consensus pour le pays à mettre tête ensemble pour résoudre le problème. Ça, pas quelqu'un monde qui t'a fait travailler seul, pas quelqu'un monde qui t'a pris le pouvoir pour contre, pas quelqu'un monde qui t'a le chef pour contre. Il est nécessaire aujourd'hui que l'unité un dans les forces vives de ce pays pour nous sortir de sa guerre. Ça n'a pas affronté non, pas bagaille un parti politique. Il va pas une association professionnelle. Il va pas une association homme privé, secteur privé. Il n'y a pas ça. Il y a tout bien intérêt dans le pays. Il y a tout bon gens qui ont abordé pour aider à résoudre. Et c'est la mettre ensemble capacité ça que nous avons résoudre. Donc, en même temps, je souhaite tout le monde. Par rapport à difficulté, parce que difficulté, on fait au mieux exciter tout, parce que je pense que quelqu'un n'arrive pas à résoudre là, quelqu'un n'arrive pas à résoudre là, et puis il tient de sous les nerfs, il capable de stress, et puis vous pensez que l'expression publique fait pour traduire ça. Mais c'est dans la sérénité, de la tranquillité, pour nous poser problème, qui gagne, problème pays, et pour nous résoudre. Pas qu'un individu en dans Montana qui a un projet personnel, il faut toujours jouer ça. Nous pas une ambition personnelle dans le grand pouvoir. Jusqu'à présent, nous construisons une médiation entre les forces politiques et les forces de la société, civile pour nous gagner à quoi ça n'y est là. Et tout le monde sait qui signe le parti pour nous et nous dit dans quelles conditions les divergences sur des points à l'intérieur de Montana, côté au Kachita, pour aborder des divergences. Et nous avons discuté. Et si son bagage de dissidence fondamentale est lié parce que son bagage idéologique pour nous qui est important, ou bien son bagage que je ne concevoir que faut que son consensus qui vous fait dans le pays avant de sortir là-dedans. Ou pas d'accord avec lui, nous pas de problème, on assume. Ou assume, ou prend à coup, ou sortir, pas de problème. Mais pas besoin à ce moment-là, craser assiette là, ni craser bol là, ou bien faut pas exister pour exister. Non. Quitter mouvement consensuel, unitaire, qui a développé là, qui vous permet de payer à sortir la crise là. C'est libre de construire. Okay. C'est libre de déconstruire dans une moralité et une éthique politique claire. Professeur Sazik. Voilà, professeur Sazik, merci. Et prochaine rencontre, à quoi est la fête? Dans la résidence officielle là encore, non? Non, et nous disons la proposition qu'on fait, il y a côté la fête là, pour les deux parties d'accord sur lui, et en même temps, pour les deux parties prennent charge financière. Nous posons ça pour pas que problème de retard encore posé, mais ça pour tenter de nous tromper. Non. Et nous-mêmes disons que la porte, nous bien dit que réunion a fixé, mais la question de la ponctualité, ça prévoit dans sa médiatique. La question de la ponctualité, c'est un élément fondamental lié. Si son réunion une heure, la fête à telle heure, la fête une heure, c'est fini. Mais la question de la ponctualité est importante parce que nous ne pas jouer sur les nerfs des autres ou bien profiter de une situation pour humilier un groupe ou bien un autre groupe, parce que peut-être pour le chef, il faut que Bagay Sayo nous mettions son plan horizontal, son plan d'égalité. Nous sommes des partenaires haïtiens, citoyens haïtiens, copropriétaires de territoire ça et de bien dans le pays. Mais, c'est ça pour nous comprendre très bien. Merci beaucoup, professeur Sazik. Bonne journée. D'accord. Bonne journée. Qu'est-ce que là? Ok. Et
Daniel Sigiakou, c'est porte-parole OPL. Ou ensemble avec nous sur l'Igna, bonjour. Bonjour Robinson, bonjour Robinson et bonjour à tout auditeur et auditrice captant de nous. Alors, profitez de saluer tête. Moi, je suis tendu là avec un peu l'attention. Donc, en grande partie, moi, partager tout ça, l'idée. Mais, désolé, moi, je vais oublier de balayer une réponse là qui est importante par rapport à un propos que je souhaite lancer et à lancement de questions pour te faire aller maintenant. Oui, oui, on va aller pour partager tout ça ensemble avec nous. On était ensemble toujours gain avec nous sur LinkedIn, porte-parole organisation peuple capitalité et OPL Daniel Syriac pour une première réaction après deux rencontres entre madame Magali Komodeni, Yonna Major Jean Akor et Montana et premier ministre Ariel Henry. Deux rencontres autour de monsieur Saint-Zec t'a confirmé ça pour vous, c'est la caille madame Denis au fait pour troisième rencontre là. Bon, yo mettez d'accord là pour que yo jwenn yo espace tous les partis pour mettre d'accord sur lui et y a cofinancer et si mieux comprendre bien si y a cofinancer c'est pas dans résidence officielle là puis encore yo mettre d'accord tout même sous ponctualité on want faut tout monde aller dans rencontre là. Donc il y a pas qui t'a supposé des détails mais comme il fait problème et ben y a essayé résoudre lui. Justement Daniel Syriac, vous t'attendez réaction tout au moins intervention monsieur syndic t'a fait notamment sous syndicat pour comme première voix dissidente de rencontre qui passait à ou te dit que des précisions et réactions besoin faire, allez-y. Alors pour tout ça t'as bien dit que partager avec le public la comme information et il parlait des avancées qui fait dans rencontre entre premier ministre de facto avec Magali Komodeni. Donc dans la mesure où c'est des avancées tout bon, nous-mêmes nous très bien recevoir. Et parce que nous croyons que dans la situation pays y est là, je veux dire là, donc ça veut dire tout le monde qui est capable de faire un effort pour capable mettre fin à la droite, donc nous pensons que c'est ça qui est bon pour le pays. M'a rappelé que position nous-mêmes au niveau de l'OPL, et que ce soit à l'interne, et nous avons exprimé en public aussi, et après rencontre gâchée, et qui était fait le 14 février dans primature là et côté équipe Montana et Souti Bodoui et puis après il était à l'écrit lettre à premier ministre Ariel Henry pour te poser des conditions pour rencontre pour négociation hein. Son bagage que nous-mêmes nous pas te digérer, nous te penser que c'était un peu enfantin. Donc ça veut dire si je dis à la ni bon côté Ariel Henry bon dépassement qui fait. Et puis, bon côté, il y a même au niveau de Montana, un dépassement qui fait, et puis il y a des avancées, c'est très bien. Alors, nous-mêmes, nous gagnons des remarques, nous y mettons des réserves, c'est sur la forme des rencontres. Et nous n'avons pas de problème avec Mounio, nous n'avons pas de contact avec eux. D'ailleurs, Montana, à quoi Montana? Donc, nous gagnons grand intérêt là-dedans. Et ceci, et ma pote une précision pour vous, Robinson. Et là, m'a parlé là comme porte-parole OPL, mais en réalité, c'est plus que porte-parole OPL là qui a parlé. Parce que lui sauter sous question ça pour un ensemble de partis politiques et d'organisations de la société civile qui sont partenaires OPL. Donc, c'est un gros groupe. Vous songez que nous sommes compétiteurs dans l'accord Montana et autour du sénateur Leblanc. Et dans l'élection qui était faite le 30 janvier 2022, donc, pas oublier que tu as gagné 15 délégués qui étaient votés pour le sénateur Leblanc. Et ces groupes délégués et alliés nous aussi qui te permettent à ce que Steven Benoît lui-même était élu comme premier ministre. Donc ça veut dire, nous gagnons un certain nombre de partis politiques et d'organisations signataires de Montana qui sont alliés au PL, qui forment un groupe d'intérêt, d'accord, n'a veillé et n'a défendu. Maintenant, est-ce que nous avons un problème, M. Syriac, sous Jean, deux premières rencontres que vous faites, c'est pratiquement tête à tête, vous m'avez dit dans l'informel, souvelé entre Mme Denis et Ariel Henry. Est-ce que l'OPL a un problème avec Jean, deux rencontres que vous avez faites là? Tout d'abord, à quoi Agon Jean lui définit comment poursuivre le fait, d'accord, comment pour représentation le fait. Et
Chita, sous Chita, sous esprit accord. Une fois que l'élection est fin faite, il y a un président qui se dit dans l'accord Montana, il y a un premier ministre qui se dit dans l'accord Montana, eh bien, il y a ces deux leaders accord là. Il y a ce qui ça? Oui, c'est leader accord là. Ah, depuis okay. Le 30 janvier, depuis le 30 janvier, c'est Fritz Alphonse Jean et Steven Johansson Benoît. C'est ça qui est dans l'esprit accord là. Et au suivi, accord te prévoit une fois élection au fin fait, et au suivi, te gagne pour le servir de secrétariat CNDA, Conseil national de transition. Bon, naturellement, et tout autant que accord, il faut côté fine et mise en œuvre là pour côté fin fait, donc ça veut dire, au suivi, il tape toujours là, il tape toujours important pour le servir dans le cadre accord. Mais il n'est prévu nulle part que c'est quelqu'un du bureau de suivi qui a gagné tout pouvoir pour mener à quoi, pour représenter tout le monde qui gagne dans la quoi en tant que lieu. Et surtout, le suivant, les formés de 21 membres, tout corps, toute commission, toute commission, les fonctionner sous base de majorité, et pour capable de prendre décision, et pour capable de mener activité. Si nous étendons, par exemple, c'était une délégation de bureau de suivi qui était participé dans la rencontre avec le Premier ministre et de fait Ariel Henry, donc nous avons l'autre compréhension que les gens apprennent que c'est une rencontre qui se fait qui avec uniquement Mme Magali Komodeni et la résidence privée. D'accord? C'est sur la forme que nous réservons. Parce que à Komundana, c'est pas une et propriété privée de quelqu'un. OK? Qui soit placé à un niveau quelconque. À Komundana, c'est prescription à grave maladie de gouvernance pays à gagner, à grave problème socio-économique, okay. Socio-politique. Qui te met en haut? Qui te met en haut? Monsieur Syriac, on va te répondre une dernière question. Et monsieur Cédric Sodi là, deux rencontres ont faites, c'est pour définir le cadre pour que y ait une discussion qu'elle fait. Qu'est-ce qui est plus constructif? Et contact ça pour mener une discussion large ça ou bien rester dans un problème de forme dit là? Écoutez, ou bien est-ce qu'il y a un problème de confiance qu'il a, il ne va pas faire notre confiance, expliquez-moi, je comprends. Moi si au départ, pour toute information libre qui concerne avant ce que le dit qui fait, donc nous pensons que si on part dans la bonne direction, donc ça, et c'est quelque chose que nous validons depuis qu'il est avancé. Merci, passons une bonne journée. Mais dans la forme. Oui, allez-y. De la forme. Pour nous passer une bonne éditorial. Dans la forme, nous pensons qu'il y a plus d'efforts qu'il faut faire pour que qu'ils soient capables de respecter à quoi dans l'esprit et dans l'aide. Et avant d'aller, Robinson, permettez-moi de parler de syndic. Allez-y. Il y a une petite réponse et une approche qui s'est faite. Allez rapidement. S'il vous plaît. L'LET dit qu'on n'a pas besoin de craser à ce qui pour capable d'exister. Nous pensons que ce n'est pas sérieux, c'est malhonnête. Ce n'est pas de OPL pour cette syndic et évoquer de tels propos. Parce que OPL sont partis politiques sans existence. Et pendant 30 ans d'existence, ils sont partis qui actifs pendant 30 ans. Et à chaque élection, il va y avoir résultat dans l'élection. Donc, ce n'est pas de OPL pour cette syndic à parler pour la parler de craser à ce pour donc, merci un pile, bonne journée. Merci pour le plaisir partagé. Nous allons rentrer dans la lecture de cryptage éditorial qui est dans l'évasion de Venezuela. Les acteurs sont-ils enfin prêts à faire des sacrifices pour résoudre la crise? Et puis après, coup de projecteur donc, sur 24e édition Compa Festival, on compte rendu de glorieuses insos et puis une interview exclusive que Wyclef Jean Megastar Aïssen a accordé à Franz Duval. C'est là pour rentrer dans la lecture de cryptage éditorial qui est dans l'évasion de Weekend Now va nous diffuser pour vous interview exclusive ça que Wyclef Jean accordé à France Duval, la boutique magazine. Nous allons diffuser pour vous. Et puis, en fin de panel, n'a pas permis tout d'entendre un compte rendu de 24e édition festival compact et fait dans la cour à Miami avec Glorieuse Nelson. Et puis, ben, les dernières musiques que Wyclef Jean fait pour nous diffuser. C'est autour de l'actualité, sans entre autres, que l'interview ça a déroulé. Éditorial week-end, les acteurs sont-ils enfin prêts à faire des sacrifices pour résoudre la crise? Saint-Jean-Farès-Jérôme.
Les informations font état d'une rencontre mercredi soir entre le Premier ministre Ariel Henry et Magali Commandeur, l'une des initiatrices de l'accord de Montana. Selon les informations, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui avait fait la proposition de la rencontre. En attendant, une note formelle des concernés, Jacques Ted, syndic du bureau de suivi de l'accord de Montana, informe que la rencontre portait sur la crise multiforme qui ronge le pays. Une autre rencontre est programmée pour le week-end en vue de poursuivre la discussion. On ne sait pas si cette série de rencontres va déboucher sur un apaisement de la crise multiforme à laquelle le pays fait face. Déjà, une rencontre entre les protagonistes de la crise est un pas dans la bonne direction quand on se rappelle l'alibi que les représentants de l'accord de Montana et ceux de l'accord du 11 septembre et où le gouvernement avait avancé pour abandonner une tentative de pourparlers en février dernier. Les deux parties, l'accord de Montana et l'accord du 11 septembre et où le gouvernement, comprennent-elles finalement, qu'elles doivent faire des concessions pour tenter de sortir le pays de la crise? Il est trop tôt pour dire si les deux camps sont animés de bonne volonté. On doit cependant noter que cette première rencontre est une bonne initiative. Presque un an après l'arrivée du Premier ministre Ariel Henry à la tête du pays, en dépit du soutien de la communauté internationale dont il bénéficie, il est clair qu'il n'a pas de solution à la crise. Jusqu'ici, les grandes décisions prises par le chef du gouvernement sont pour plaire à la communauté internationale qu'il a placée au pouvoir. En tendant la main à l'accord de Montana, Ariel Henry comprend-il finalement qu'il doit chercher des soutiens locaux pour faire face à la crise? L'accord de Montana, de son côté, a élu depuis janvier dernier un président provisoire de la République et un premier ministre. Le processus est bloqué depuis les élections de Fritz Alphonse Jean et de Steven Benoît. En répondant à l'appel du Premier ministre Ariel Henry, les institutions et personnalités formant l'accord de Montana reconnaissent-elles finalement qu'elles n'ont pas les moyens de leur politique? Il faut attendre les prochaines rencontres et surtout quand les langues commenceront à se délier pour savoir si les acteurs sont sincères ou non dans leurs démarches. Parallèlement à cette initiative du Premier ministre Ariel Henry pour trouver une solution à la crise, il y a d'autres initiatives en cours. Il y a par exemple la commission de dialogue formée de Mgr Auger Beauvoir de Religion pour la Paix, Laurent Saint-Cyr du secteur privé des affaires et de Jean-Robert Charles de la Corpua. Cette commission a déjà entrepris des démarches auprès de certains protagonistes de la crise. Le Premier ministre a sans doute intérêt à prendre en compte ce qui a déjà été fait dans le cadre d'une éventuelle solution à la crise. Le chef du gouvernement doit aussi éviter d'embarquer le pays dans des manœuvres dilatoires comme d'autres avant lui en organisant des rencontres sans fin. Jean-Farès Jérôme qui signe Éditorial Lac avec nous pour le décryptage. Farès, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour tout en étude de magique. Bon bien content Guillaume, bon première rencontre qui fait en tête à tête entre PM de facto Henry et Madame Magali Commandeur de l'accord de Montana. C'est ton premier et dis-nous bon l'autre qui fait dans le week-end également. Oui, entre temps il y a deux. Et c'est peut-être que nous parlons de la bonne direction, ou du moins ça fait au bail tête et moyen, ou bien comprendre faut que vous parlez finalement. Et pour chercher un bon apaisement dans la crise là. Maintenant on dit bien loin trop tôt pour dire si les deux camps sont animés de bonne volonté ou dit Fontaine. Nous tellement habitués avec un compte ici et nous va songer depuis que crise a commencé combien grand compte qui fait et nous tellement gâtés dans le dernier gouvernement et ce président Jovenel Moïse avec un compte toute la journée, toute qualité rencontre avec toute personnalité mais pour mener nos côtés nous y est là je dis là. Je voulais annoncer Jean Pouida et Pouida dans la côté pour nous côté à mener nous. Ariel Henry va gagner un an là bientôt dans cette pays là, il gagne soutien communauté internationale là mon dit loin, il est clair qu'il n'a pas de solution à la crise, explique. Bat mal dit PM n'a tourné en rond non, ça soit dégradé dans même PM là et en dépit de full soutien pour groupe et nous songer publiquement le 7 février que États-Unis te renouvelé soutien là lui-même qui dit qu'il pas prêt aller et conférence sur conférence. Mais l'on a pris ça que la nouvelle, l'on a pris ça que les sociaux, l'on a vivre la réalité, eh bien, nous ne pouvons pas avancer. Et nous ne pouvons pas avancer dans la bonne direction. Et c'est sûr que 10 mois après, il n'y a pas quand même 10 côtés pour aller même. Et nous pouvons écouter la peine nous tous. Au début loin, jusqu'ici, les grandes décisions prises par le chef du gouvernement sont pour plaire à la communauté internationale qui l'a placé au pouvoir. En tendant la main à l'accord de Montana, Ariel Henry comprend-il finalement qu'il doit chercher des soutiens locaux pour faire face à la crise? Question.
Et bon, si on a pris rapidement et décision PM n'a pris, et c'est des fois qu'il y a des déjà, parce que tout le monde, il y a monté gaz, il y a envoyé CP, et il y a campé sur référendum, même si il a fait, mais pas avancé là dans le vrai. Et constitution, il a fait, mais pas avancé là dans le vrai. Et en termes d'amélioration de la condition de vie de la population, par contre, pas rien contre les gens qui ont dit que ça peut être une priorité pour la population, pour chaque monde qui a besoin d'habiter, c'est la sécurité, que la situation ne va pas aller pour le mieux et, depuis un certain temps. Et même si la police a prévu un peu, même si il y a quelques actions, mais ce n'est pas encore globalement et satisfaisant. Et dans le cas ça, et 10 mois après, c'est sûr que PM n'a pas une solution. C'est sûr que il ne faut pas prendre dans la direction de besoin. Hein? Décision pour que sa population attend. En janvier dernier, le commandant a élu un président provisoire et un premier ministre. Dans le cas d'accord, pour un président provisoire là, doué à un collège de 5 membres. Et maintenant, entre-temps, il n'y a pas trop de bagaille qui bougeait. Et vous posez cette question, est-ce que finalement Montana a rendu compte qu'il n'y a pas de moyen de politique? Pourquoi il se pose cette question? Et c'est un processus qui prend temps pour mettre en place, c'est appelé le monde bat bravo pour lui, mais c'est pas marché. Jusqu'à présent, entre PM avec la situation pays, entre protagonistes, c'est une question plus ou moins. Et il n'y a pas qu'à avancer, mais il n'y a pas qu'à l'autre là avancer tout. Tout le monde a les moyens politiques, mais tout le monde a les mettre en place, pas de couvrir les mettre en ensemble pour dire, eh bien, on passe dans un. Plus un de préférence, il faut dire que nous avons plus ou moins un, et qui en somme nulle, eh bien, est-ce que l'acteur comprend ça finalement? Et au déchat qu'on a qui passe sur place, pas qu'à avancer, et même si forcément il n'est pas obligé d'empêcher l'autre d'avancer, mais il constate qu'il n'y a pas avancé. Maintenant, là, vous dites qu'il faut entendre les langues, commencer à délier pour nous garder, est-ce que l'acteur est sincère ou non dans les démarches? Vous avez toujours une appréhension ça à faire. Oui, là, pour qu'il y ait une pièce communiquée officielle dans bon côté de bien dans le camp. Et vous connaissez ici, il faut attendre l'homme qui commence dans l'émission. Il y a dit, mais ça qui dit, mais ça qui va à la télé, tout le monde vrai. Mais quelques jours après, et là, on est obligé de gagner appréhension. Mais jusqu'à présent, la couture, c'est pas un mauvais bagage. Entre-temps, il y a d'autres initiatives, notamment, et de commission ça qui a discuté avec la DENI, représentant Religion pour la Paix. On représente une organisation patronale et puis Corpua. Oui, dans tout le pays, c'est ce que ça décide de mettre mais on n'a pas de présence de crise, c'est pas à négliger l'université et le secteur privé et le secteur syndical, c'est pas ça un mauvais bagaille et c'est le secteur ça qui fort et qui a un pile poids dans le pays. Et bien, et jusqu'à présent, l'initiative a été timide, mais et PM n'a pas obligé d'ignorer le tout. Et c'est un bon garder ça que tu fais, tu n'es pas obligé à réinventer là où. Ou du moins, si tu as un cas pour te soutenir et pour aider à résoudre ça, c'est. Et PM9, tu as supposé prendre ça en compte. On dit le chef du gouvernement doit aussi éviter d'embarquer le pays dans des manœuvres dilatoires comme d'autres avant lui en organisant des rencontres sans fin. Oui, nous sommes habitués à ça. Et belle réception, et bel discours. Mais vous voulez une farine tout et pour généralement pour monter la coucher une souris et bien et en même temps PM n'a du gars de ça que t'es fait mais faut l'éviter j'aime dire à tout et avec des rencontres qui va jamais fini et rencontre sur rencontre réception sur réception et bien pour faire nous perdre plus tant que ça l'a perdu déjà là et bien faut jouer une façon pour nous avancer mais pas pour nous reculer. Merci un pile Faris, passons une bonne semaine Kimbella. Merci, Armin. Au plaisir. C'était Jean-Farès Jérôme, assistant secrétaire de rédaction quotidien Le Nouvelliste, qui t'a fait décryptage éditorial là avec nous. Que devient le comité de médiation après la rencontre de Denis Henry? Ça, c'est en une du journal. L'autre article, de nouveaux élus et la fin d'une ère à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Osnésidor, quelle tragédie. Ça, c'est non étudiant de 5e année qui était tombé en babal, bandit sous. En Bois-Vénard, élection, seule solution au problème des gangs dans le pays, selon Jean-Antoine Laureus. Et puis, la PNH traque le gang de Vitelhom, accusation de viol, mandat d'amener et interdiction de départ contre Evans Lescoufler. Au moins 11 Haïtiens meurent dans un naufrage.
La PNH libère 17 kidnappés et puis dernier article qui n'a une à la recherche de la légitimité politique. Nous prenons un petit pause. Au retour, Robinson nous permettre auditeurs et auditrices nous attendre interview ça que Franz Duval a réalisé avec Wyclef Jean autour de l'actualité de Wyclef Jean, entre autres sujets et gains en musique Robinson que nous avons diffusé. Il est Voé de l'eau, c'est artiste là qui fait musique ça, qui chante lui. Et après, on va entendre l'interview de Franz Duval réalisé. Et puis, juste après, on va permettre d'entendre compte rendu de 24e édition Compa Festival que Glorieuse Nelson réalisé pour nous.